Bonjour à tous. C'est toujours un grand plaisir d'être de retour à Montréal, surtout lorsque c'est pour faire une annonce importante sur l'emploi et l'économie de l'avenir. Je veux tout d'abord saluer quelques personnes. Je veux tout d'abord saluer le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, et Jean-François Gagné de Element AI, qui sont avec nous. Nous accueillons également le secrétaire d'État de la France chargé au numérique, Mounir Majoubi. Merci beaucoup d'être ici. On peut les applaudir. Mes chers amis, je ne peux pas imaginer un meilleur endroit pour tenir cette réunion ministérielle avec nos partenaires du G7. Dans les dernières années, Montréal s'est imposée comme une ville moderne, décidément tournée vers l'avenir. Une ville où l'innovation et la créativité sont les moteurs de sa croissance. Et c'est en grande partie grâce au savoir-faire qui existe chez nous. Nos chercheurs sont reconnus à travers le monde comme étant des pionniers des technologies nouvelles comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond. Nos universités de calibre mondial forment les scientifiques, les entrepreneurs et les chercheurs de la relève qui, déjà, élaborent des solutions aux défis auxquels les industries du monde sont confrontées. From the gaming industry to the medical field, from aerospace to entertainment, Montrealers and Canadians are leading the way and have been for quite a while. And as the world looks to broadly apply this technology, Canadian innovators have given our country a head start. Our government recognized the unprecedented opportunity before us, so we set out to support our innovators across the country and make Canada a global leader in AI. Canada is well positioned to build a future where the middle class is thriving and our economies are growing. Le Canada est présentement un leader international de l'intelligence artificielle, mais le gouvernement doit continuer d'appuyer le secteur pour rester concurrentiel. Les pays du monde rivalisent pour développer les technologies nouvelles qui propulseront leurs économies vers l'avenir. Nous devons continuer à innover pour conserver de l'avantage dont nous profitons présentement et rester à l'avant-garde du progrès. Nous avons donc mis sur pied une stratégie ambitieuse pour assurer la compétitivité du secteur à long terme. Notre gouvernement continuera d'appuyer les écosystèmes à travers le Canada, comme celui de Montréal, qui permet d'attirer les plus grands noms du secteur chez nous et former la relève. Nous avons mis sur pied l'initiative des Super GRAP d'innovation, qui rassemble des intervenants de différents secteurs pour propulser nos industries vers l'avenir et créer des emplois. Ici à Montréal, nous avons sélectionné la Super GRAP des chaînes d'approvisionnement axées sur l'intelligence artificielle, qui réunit des experts de l'intelligence artificielle et des représentants d'entreprises de toutes les tailles. Jusqu'ici, cette Super GRAP regroupe plus de 110 entreprises, centres universitaires, associations professionnelles, incubateurs, institutions financières et partenaires internationaux, pour ne nommer que ceux-là. Qu'il soit question d'aider les petites et moyennes entreprises à atteindre de nouveaux sommets ou les grandes compagnies à adopter de nouvelles technologies, l'objectif, c'est de moderniser les façons de faire, de créer des nouveaux emplois et d'accroître la compétitivité du Canada dans le domaine de l'exportation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que le gouvernement du Canada vient tout juste de conclure une entente avec la Super GRAP qui prévoit un investissement de près de 230 millions de dollars. Cette contribution sera égalée par nos partenaires du secteur privé. Nous prévoyons que cet investissement mènera à la création de plus de 16 000 emplois pour les Canadiens et qu'il ajoutera plus que 16 milliards de dollars à notre économie sur une période de 10 ans. I'm going to repeat that one in English. This investment will create more than 16,000 jobs for Canadians and add more than $16 billion to our economy over the next decade.
My friends, this is what it's all about. It's about harnessing new technologies to create thousands of new jobs and more opportunities for people to succeed. It's about building a better future for all Canadians. Les solutions élaborées par la SuperGRAP permettront aux entreprises canadiennes de saisir de nouvelles opportunités, en plus d'attirer des investissements et du talent de partout dans le monde. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous franchissons une étape importante en vue de faire du Canada un leader dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'exportation. This new technology is nothing short of revolutionary, and it's already changing the way we work and live, and we're only scratching the surface. That being said, we must recognize that with AI, we're entering uncharted territory. As exciting as this may be, it does come with a particular set of challenges. If Canada is to become a world leader in AI, it must not only invest in innovation, but we must also play an active role in addressing some of the ethical concerns that we will face in this new era. En juin dernier, le président Macron et moi avons signé une déclaration commune sur l'intelligence artificielle qui s'inscrivait dans le même esprit que la déclaration des ministres de l'innovation du G7 adoptée ici à Montréal le 28 mars dernier. Le document mettait l'accent sur le développement de cette technologie centrée sur l'humain et axée sur le respect des droits de la personne, l'inclusion, la diversité, l'innovation et la croissance économique. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que la France et le Canada se sont entendus sur la mise sur pied du groupe international d'experts sur l'intelligence artificielle qui réunira des représentants de la communauté scientifique, de l'industrie, des gouvernements et de la société civile. Le but, c'est de mieux comprendre les enjeux liés à l'intelligence artificielle et de définir les meilleures pratiques. Nous inviterons maintenant nos partenaires internationaux, en premier lieu les autres membres du G7, de l'OCDE et de l'ONU, à se joindre à nous et à nous aider à élaborer un cadre qui deviendra le point de référence mondial en matière d'intelligence artificielle. Et sur ce point, je tiens à saluer les efforts et l'engagement de nos amis français au cours des derniers mois. C'est une grande priorité pour nos deux pays. Et le Canada est fier de pouvoir compter sur le partenariat de la France. Tandis que la présidence canadienne du G7 tire à sa fin, nous nous préparons à passer le flambeau à la France, qui entend s'appuyer sur les progrès réalisés au sommet de Charlevoix. Je suis impatient de poursuivre notre travail dans la nouvelle année. Je sais qu'ensemble, nous pourrons bâtir une économie basée sur l'innovation, une économie qui profite au plus grand nombre et offre à la classe moyenne des nouvelles opportunités de réussir. Encore une fois, merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Thank you, my friends.